Dans cette vidéo, je vais donc te parler de la façon de penser, de la façon d'agir pour devenir riche. En immersion à l'intérieur de la rénovation complète de ma résidence principale, je t'emmène et c'est tout de suite. Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Paris, 19e arrondissement et je continue la série pour que tu puisses voir de l'intérieur comme si tu y étais un chantier de rénovation globale. Ici, c'est pour ma résidence principale à Paris, mais l'idée c'est d'arriver à le transposer pour que tu puisses voir l'évolution, l'avant et l'après sur un très gros chantier puisque c'est exactement le même raisonnement que tu dois avoir sur tes propres investissements locatifs. Comme ça, ça te permet vraiment de le vivre en immersion. Donc, je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui te présenter l'avancée. Comme tu le vois, le jardin est encore très très occupé puisqu'on est en plein travaux. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a environ 30 jours, encore donc un mois de travaux pour que tu puisses arriver à voir l'avancée. Je vais te faire faire un petit tour. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait en raison bien entendu du contexte actuel. Ici, la façade, il n'y a pas encore eu spécialement de changement. Pourquoi ? Parce qu'on attend encore quelques fenêtres pour pouvoir finaliser et vraiment tout reprendre. Ce que je voudrais te montrer, c'est ici. On a donc finalisé et on a fait propre les différentes ouvertures. On ira voir de l'intérieur à quoi ça correspond. On a donc fait une cour anglaise. On parlera aussi comment on a traité l'humidité à l'intérieur de cette cour anglaise. Et donc, on attend les fenêtres de la cour anglaise qui ont un petit peu de retard avec la logistique vu le contexte pour pouvoir vraiment finaliser ici la façade. Je te montre aussi ici parce qu'on a fait la sélection. Donc, tu vois, les artisans sont plutôt sympas. Ils m'ont fait un panneau complet. Ici avec des bleus différents puisque je veux faire les volets en bleu et donc on va choisir celui-ci qui est plutôt un petit peu pop, un petit peu flashy pour que ça reste dans l'esprit vraiment jeune et redonner un coup de modernisme énorme à cette maison. Et donc on va faire l'intégralité des volets comme ça en bleu et façade blanche pour que ça puisse ressortir et que ça donne un gros coup de jeune. Ici je vais te montrer là parce qu'on va pas passer par-dessus le carrelage, on va mettre un petit plan, c'est exactement la même chose derrière. Donc, que tu peux voir avec la cour anglaise. Et si tu arrives à voir, juste à droite, on a fait donc une sortie également VMC. Même si le sous-sol a des aérations puisqu'il a des fenêtres, on l'a doublé avec une VMC pour pouvoir arriver quand même à faire circuler très bien l'air. On avait changé l'entièreté des fenêtres. On viendra changer ensuite, j'ai plus le nom en tête, mais comme la sortie là de parasol donc, qui était anciennement jaune, là, je resterai en blanc ou en gris parce que les volets vont être bleus donc pour pas que ça fasse un trop gros patchwork. Ici, on a fait sortir, tu vois, en façade, donc il y a plusieurs trous parce qu'on a fait des changements sur l'alignement. Je vais faire sortir ici des lumières, donc sur ce pan-là et sur ce pan-là pour que ce soit symétrique. Normalement, le dernier devrait disparaître là-bas où il y avait un trou. Oui, sur le jardin, pendant qu'on y est, donc je en profite pour t'expliquer tout ce que je vais faire dans le jardin. On va le remettre un petit peu à niveau à la fin parce qu'il est légèrement en pente. À des endroits, il est un petit peu comme ça sous mes pieds. Donc, on va venir complètement faire du terrassement, léger terrassement juste pour remettre complètement à niveau. À la fin, je te filmerai ça, on va mettre les rouleaux. Tu sais, de gazon qui sont prêts pour que dès cet été, je puisse avoir du gazon instantanément et que ce soit esthétique et visuel d'un seul coup. Et ici, on avait une démarcation. Après, là, c'est de l'esthétique, c'est un choix personnel. On avait une démarcation, donc pierre type pas japonais, sur toute la longueur, pour quand il pleut, comme aujourd'hui, tu puisses marcher et pas dans l'herbe et pas en mettre de partout. Comme le terrain fait à peu près 90 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc, l'idée, c'est que je vais mettre vraiment du gazon partout pour que visuellement ça agrandisse et que ça donne une perspective d'herbe plus sympathique. Je vais faire une tranchée, donc d'ici qui va s'aligner à l'angle ici tout droit jusqu'au bout et je vais faire encastrer des spots à l'intérieur du gazon et donc je vais finir jusqu'ici en gazon jusqu'au bout et je viendrai poser dans le gazon des pas japonais espacés pour qu'on puisse quand même marcher pas dans l'herbe pour arriver à la maison. Et c'est joli parce que je vais faire pas un bandeau lumineux, je pense que je vais en mettre 4, 5 spots encastrés directement dans l'herbe. Aussi, j'ai deux petits enfants, du coup quand ils vont jouer, je voulais pas faire un rebord et du gravier parce qu'après s'ils tombent etc, ils vont chuter dans le gravier et je voulais pas mettre des petits lampadaires, des petits lampions qui dépassent pareil parce que si on joue on va se taper les pieds dedans comme le terrain n'est pas immense. Et donc du coup comme ça je fais du spot encastré, donc c'est vraiment un rat, on peut marcher dessus et ça va complètement disparaître, donc c'est ce qui est plutôt sympa. Quand ils vont me faire la façade, je leur demande en même temps, ça c'est pour vraiment bien finir, mais vous voyez tous les petits pans de mur à l'entrée ici, de l'autre côté la petite murette, ils vont vraiment complètement
la refaire comme ça et ça va être assorti et ça va donner un coup de blanc de partout. Donc ça va vraiment être très joli. Le pan qui est derrière vous en herbe, je garde. Après, je vais élaguer, pas beaucoup, mais parce qu'il y a quand même des beaux arbustes. Mais pour gagner un petit peu, pareil, je vais peut-être en enlever quelques-uns pour que le terrain soit un petit peu plus rectangulaire, plat. Et puis, on viendra voir ce qu'on met ici, puisque avec les cours anglaises qu'on a agrandi, globalement, la végétation, effectivement, avec les travaux, elle a pris un petit coup. Donc, on viendra redonner un petit coup de jeune aussi à l'intérieur de ça. Là, si on peut rentrer, parce que tout à l'heure, ils étaient en train de travailler. Pardon s'il y a un petit peu de bruit, parce qu'il y a une équipe, ils sont en train de travailler. Il reste 30 jours, donc on a lancé le chrono, parce que le but, c'est que je puisse emménager. Je te ferai bien sûr une vidéo à la fin, une vidéo de l'emménagement pour que tu puisses voir. Et je te montre de l'intérieur à quoi ça ressemble. Bienvenue à l'intérieur, on va pouvoir voir l'avancement. Il y a beaucoup de changements par rapport à la précédente vidéo, comme tu vas voir. J'ai hâte de pouvoir te montrer ça. Dès l'entrée, on a fait le faux plafond. Bon, on a complètement tiré l'électricité, donc ça c'est fait. Faux plafond spot, donc avec trois arrivées. Ici, on a juste voulu faire plat. Pourquoi ? On ne s'embête pas trop non plus parce qu'on va venir faire un placard sur toute la longueur. Là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une forte profondeur. Donc là, vous voyez, c'est très large. Si je me mets, j'ai quand même un beau hall d'entrée. Donc l'idée, c'était de pouvoir créer vraiment du rangement pour mettre tout ce qui est manteau, tout ce qui est chaussures. Donc on va créer du placard de 60 cm de profondeur ici. Donc là, en plus, on va mettre des tiroirs en bas, penderie en haut sur toute la longueur. Et comme la porte, faut qu'elle s'ouvre et qu'il n'y a pas 60 cm de profondeur derrière la porte, on va venir travailler sur un placard en médium, en ambié. Je te montrerai à la fin pour que ce soit vraiment plus parlant. Petit WC d'accueil. Là, je pense qu'il va être très beau. Carrelage blanc au mur. On joue avec les couleurs puisqu'on va avoir tout ce pan de mur. On va te le montrer ici qui est en noir. Et le sol, je ne sais plus s'il est noir ou blanc, j'ai un petit doute en même temps, je vais voir avec le carreleur. Mais du coup, on va jouer sur les couleurs et grand placard. En fait, je suis assez maniaque comme tu le verras, donc j'ai fait beaucoup de rangements parce que l'idée, c'est aussi de gagner en surface utile. C'est ce qu'on fait aussi quand on fait un investissement locatif. On prévoit pour que le locataire arrive, il pose juste ses affaires. Globalement, là, c'est un petit peu la même idée. Pourquoi ? Parce que sinon, tu perds de la surface utile parce que tu vas devoir mettre beaucoup, beaucoup de meubles derrière. Donc, en fait, tu te retrouves avec un beau volume au départ et ensuite, tu rajoutes des meubles, donc ton volume, il réduit. Là, ce qui est intéressant, donc c'est comme ça, tu crées directement l'entièreté des zones de rangement et que ce soit même dans un toilette séparé où tu vois, si je peux mettre une niche avec du rangement, je le fais. Tu mets tous les produits d'entretien, le papier toilette et ici, tu vois tout ce qui est manteau, chaussures parce que déjà, tu gagnes énormément de place. Donc là, pareil, faux plafond spot. Le lavabo, c'est bien sûr pas l'actuel, il sera changé à la fin. C'est pour que les artisans puissent se laver les mains et tirer de l'eau pour pouvoir poser le carrelage. Et donc, on va jouer en bicouleur. Donc, ça va être sympa. Le sol, il est noir. Voilà, j'avais un petit doute, mais je me souviens par rapport à ce qu'on s'était dit. Donc, il est noir, ce pan-là. On peindra le médium également en noir laqué brillant pour que ce soit assorti parce qu'on va mettre deux portes ici. Et tout le reste blanc comme il a déjà fait. Et il ne reste plus que les joints à poser. Là, on est dans le salon, donc comme tu avais pu le voir sur les vidéos précédentes, on a complètement ouvert, on a mis des poutres métalliques, donc ça a été complètement coffré, ils ont refait le placo, il y a la même chose exactement derrière. Et comme tu le vois, c'est un petit peu chargé, pourquoi ? Parce qu'on travaille par niveau, on va d'abord finir des niveaux, et donc ils vont stocker ici le matériel, puis ensuite déplacer le matériel pour finir ce niveau-là. Donc ici, il nous reste du médium à créer ici, puisqu'on va faire une bibliothèque ouverte, le bas va être fermé dans le prolongement de la cheminée, on va essayer de faire une étagère un peu déstructurée, en niveau sur la partie supérieure. Là, ils sont en train de coffrer donc toute la partie de l'autre poutre IPN qui avait été ouvert puisqu'on a abattu également ici un mur porteur. Et donc, on va pouvoir après remettre à niveau le sol puisqu'une des grosses problématiques, on va te le filmer ici, c'est qu'il y avait des décalages de niveau. Donc, on va venir ici également avec du médium, du contreplaqué pour pouvoir le remettre à niveau parce que tout simplement, si on faisait une chape même légère, il faut combler énormément de centimètres. Donc là, on va tout simplement le combler avec des plaques directement de contreplaqué. Cuisine, on a fait des petits changements légers. Je ne sais pas si tu le vois, on a rajouté ici un petit bout de mur. On a décalé tout simplement la porte d'entrée. Alors pourquoi ? Parce que ici, j'ai largement assez de profondeur pour mettre l'intégralité d'un linéaire de cuisine. Et ici, je voulais que la porte s'ouvre. J'ai déplacé le radiateur, il était précédemment au fond. On a retiré l'intégralité du chauffage. Donc ici, on a mis un radiateur derrière la porte. L'idée, c'est que je puisse mettre un petit bar haut ici dans le prolongement du radiateur si quelqu'un veut prendre son petit-déj vraiment très rapidement tout seul.
Et ici, ça va me permettre de continuer à travailler sur une tablette et on va faire changer le SkyDome qui aujourd'hui est, pardon, je trouve plus le mot, un peu opaque, on ne voit pas à travers. Donc, je vais le mettre en vide parce que j'ai envie de voir le ciel, ce sera vraiment plus joli. On va motoriser ici, on a prévu les arrivées. Et au fond, vous voyez toujours mon vaisselier qui attend, que j'ai gardé du précédent propriétaire et qui attend d'être complètement repeint pour passer dans la partie salle à manger. On va d'abord, je te propose qu'on aille au moins un parce que ça a avancé pour que je puisse te montrer. Et ensuite, on va repasser dans les étages supérieurs. Donc là, pareil, je ne te montre pas l'intégralité, mais l'électricité, tu le vois ici, a complètement été tirée sur les emplacements. Le chauffage a complètement été fait. On en est globalement sur la phase revêtement puisque c'est ce que tu as vu dans le premier WC. Et j'ai hâte de te montrer les autres salles de bain parce que certaines sont quasiment déjà finies. Voilà, je t'emmène au sous-sol, ça a énormément avancé. Si tu regardes l'avant ou après, on te mettra quelques incrustations sinon d'avant, puisque bah, ça a été fermé complètement, comme tu le vois. Alors, je t'explique un petit peu. Ici, on va démarrer par la première pièce. Ici, ça va être une chambre d'amis, une chambre de passage. Donc, pareil, il n'y a pas les lumières, tu vois, au plafond. Donc, je ne sais pas, le rendu sera peut-être un petit peu sombre. Dans la réalité, ici, ça n'est pas du tout comme il y a la fenêtre. Et puis, ça bloque encore ici un petit peu. Ce qui est intéressant de voir, c'est plusieurs choses. On a traité donc ici volontairement un petit peu en ambier. Pourquoi? Parce que visuellement, bah, comme ça, l'œil il a plus de profondeur, c'est-à-dire que la fenêtre elle n'est pas entre guillemets au bout du tunnel. Donc c'est plus joli que ce soit biseauté. On l'a fait des deux côtés. On fera couleur façade ensuite, bien entendu, la partie cour anglaise. On a traité quand il va pleuvoir ici, on a fait comme une douche à l'italienne. Je vais regarder si on le voit. Alors, on ne va pas exactement le voir parce que je pense que le trou, ouais, il est juste derrière, là, derrière le parpaing. Mais en gros, derrière, il y a une colonne ovale. Et donc ici, on va volontairement faire le sol encarlé comme une douche à l'italienne. Il va y avoir un siphon et je vais recouvrir par une petite couche ici de gravier. Donc, c'est ça qui va être intéressant. C'est que du coup, principalement, c'est comme une douche. On va guider l'eau. Donc, on devrait avoir vraiment zéro problème ici d'humidité. On a rassemblé ici, on va mettre une trappe et puis je mettrai un tableau demain. On a rassemblé ici tout ce qui est arrivé d'eau pour pouvoir couper le compteur d'eau. Ici, on va travailler, la tête de lit, elle sera ici. Je regarde par rapport au plan électrique. Donc, on va avoir un lit dans cette partie-là. Donc, il y a largement la place. Un petit placard construit en médium, une petite commode ici. Et donc, ça va faire office de chambre d'amis. Sur cette partie-là, bah, je te montre un petit peu au sol, on va en parler ici parce que du coup, c'est très lumineux. J'adore, je suis fan, j'ai eu le coup de cœur quand j'ai vu. C'est du travertin, donc c'est de la pierre en carrelage qui se pose donc comme du carrelage. On n'a pas encore fait les joints là sur ce que tu vois. Il vient d'être posé il y a 2-3 jours. On va faire encore toute la partie joint. Et franchement, je trouve que le rendu est très joli parce que aussi c'est la façon de le poser qui est intercalé un petit peu comme un puzzle puisque c'est à la fois mélangé mais symétrique quand même puisque ça va être à chaque fois le même dessin qui va être reproduit. On a fait l'intégralité du sous-sol comme ça. L'objectif, c'était de finir à 2,20 m de hauteur sous plafond après les revêtements, après le sous-sol, après tout. Et tu vois, on est bah, pile à 2 m, entre 2,19 m, non même pas, 2,20 m sur cette partie-là. Donc, c'est pile poil. C'est-à-dire que voilà, je ne me sens pas du tout oppressé. Donc, c'est plutôt moyenne-basse. Après, il faut rester conscient qu'on est quand même ici sur un moins 1. Donc, je n'allais pas faire un 2,60 m de hauteur sous plafond. Puis, il n'y avait pas d'intérêt non plus à le faire. Ici, bah, je te montre. Donc ici, si tu te souviens dans les précédentes vidéos, je vais faire comme un emplacement pour le vin puisque bah, voilà, j'ai une jolie cave de vieillissement que je vais mettre là. Et on va faire du médium sur mesure pour ranger aussi des bouteilles. Un petit placard fermé ici, tout ce qui est accessoire de vin. Et ici, on va mettre un petit bandeau lumineux qui va s'allumer. Quand j'allume, ça allumera en même temps bah, cette partie couloir cave à vin. Et puis, si tu te souviens, je ne sais plus si je t'en ai parlé dans la précédente vidéo, tu vois, j'ai mis des lumières tous les 3 marches. J'ai mis des spots dans la montée d'escalier. Donc, ce sera joli. Il y aura la montée d'escalier. Et puis, il y aura ici vraiment assez discret un petit bandeau lumineux pour éclairer la cave à vin. Sur cette partie-là, on va travailler sur machine à laver le linge, sèche-linge. Donc, l'équivalent, puisque bon, globalement, quand il n'y aura personne dans la chambre d'amis et la chambre d'accueil, ce qui est le cas de 95% du temps, bon, bah, si on veut mettre à l'intérieur le linge ou autre, ça fera office de buanderie. Et là, je vais mettre un grand congélateur tiroir pour que ce soit norme. On va venir séparer, puisque comme tu le vois, il y a le compteur électrique pour pas qu'il y ait le congélateur juste à côté et que ce soit un petit peu de stockage. Si on voit assez à la lumière, parce qu'ils sont en train, l'électricité est finie, mais il n'y a pas encore les ampoules et le reste pour éclairer, ils éclairent au spot pour travailler, donc pour que tu vois assez. Ici, c'est la salle de bain de la chambre d'amis. Ça s'ouvre comme ça. Sur cette partie-là, il y a encore pas mal de poussière avec le,
avec le carrelage. Ici, il y aurait une vasque. Donc, elle est petite, la salle de bain, on l'a optimisée. Cabine de douche ici. Donc, c'est une grande puisqu'elle fait 1 mètre par 70. Donc, c'est quand même grand, voire très grand. Ici, petite vasque. Et ici, WC. WC, j'ai pas voulu. Alors, ici, il y a pompe de relevage. Pourquoi on est au moins 1? Bah, là, tu le vois plus parce que c'est derrière. Mais la colonne, elle est à cette hauteur-là et elle monte. Donc, forcément, pour que l'eau aille d'ici à ici, pompe de relevage qui sera encastrée dessous, là, sur ce coffrage-là. Sur le WC, je ne suis pas fan des sani broyeurs, des pompes de relevage et autres. J'ai préféré un vrai WC. Donc, on va mettre quelques marches puisque là, le WC va être légèrement en hauteur et donc il y aura deux marches pour aller sur le WC. D'où l'expression être sur le trône parce que là, non seulement tu seras sur le trône, mais en plus en hauteur. Mais du coup, je n'ai pas de pompes de relevage, je n'ai pas de sani broyeur. Au moins, je suis sûr que ça va bien fonctionner et j'avais largement la hauteur sous plafond pour le faire. Un petit mot sur les matériaux. Donc ici, on va poursuivre en travertin. Pour tous ceux qui veulent la référence, c'est le travertin Opus. Beige ou blanc, je ne sais plus exactement le nom de la référence, chez Leroy Merlin. On va faire la même chose au mur. Voilà, je te montre la référence. Donc, on va mettre une longueur 4 carreaux parce que sinon, je trouve que c'est un petit peu trop grand. Et puis, c'est la largeur des petits rectangles. Et je vais faire la descente, donc la descente de douche comme ça. Je vais venir faire le dessous de la vasque comme ça. Et je vais venir faire la petite niche derrière les WC pour que, voilà, il y a un petit décor. Et que ce soit plutôt sympa. Donc là, ça va permettre vraiment que les invités, ils ont leur chambre, leur petite salle de bain ici. Quand ils sont méchants, ils sont punis parce qu'ils sont au moins un. Et du coup, tu vas voir la surface habitable, ça permet vraiment, et c'est un luxe, et j'en suis conscient, de pouvoir accueillir et loger des gens. Donc, je suis vraiment très content. Là, on a une super pièce puisque si tu as suivi les précédentes vidéos, on se trouve dans la salle de sport. Donc, c'est environ 30 mètres carrés. Je pense, on va. Alors, je te montre d'abord ce côté-là. Ce côté-là pour qui sert à pas grand-chose parce qu'il y a un renfoncement. Déjà, j'ai fait câbler l'entièreté de la maison. Alors, attends, je te prends quelque chose que je te montre, qui est ici. Voilà, qu'on va mettre là. C'est un switch. Donc, je l'ai câblé vraiment comme un bureau. L'idée, c'est aussi comme ça. S'il y a des télés au mur, bah, tu peux directement les raccorder à Internet puisque l'arrivée sera juste positionnée au bon endroit de la télé. Donc derrière, il va me faire une trappe, il va me mettre mon switch. Donc c'est de la même manière qu'on a câblé les bureaux. Et donc la maison, elle est entièrement câblée en câble Ethernet de partout. Donc ça, c'était vraiment super. L'électricien, il m'a fait un super boulot. Pour être très honnête, je ne l'avais pas demandé au début parce que c'était vraiment optionnel. Il a voulu me faire plaisir et vraiment, merci beaucoup parce qu'il m'a câblé l'entièreté. On va mettre en plus une petite trappe, ça va se trouver à l'intérieur. Et donc là, je vais venir fermer en porte coulissante miroir, faire du rangement sur mesure. Donc tu le vois, je poursuis encore dans mon délire de maniaque avec du rangement de partout. Donc là, on va encore avoir énormément de rangement, que ce soit scellé, que ce soit pour stocker. Ça va être donc fermé par une porte. Espace, globalement stockage et cave, bah parce que tu as la chaudière ici qui est là. Et là, je vais faire pareil, mettre du rangement, tiroir en bas, un peu en haut. Pas grand chose sur cette partie, peut-être une ou deux étagères parce qu'il faut quand même laisser un peu respirer la chaudière. Et puis, il faut pouvoir ensuite qu'il y ait une allée pour circuler. Mais donc voilà, on va venir juste faire une petite zone de stockage. Et là, c'est top parce que j'ai l'intégralité pour me faire une salle de sport ici sur la totalité. Je retrouve ma cour anglaise, même principe, mur latéral en biais, en diagonale, même principe avec ma partie évacuation comme une douche, ça part. Mon radiateur qui va être sur cette partie-là. Comme je ne savais pas encore la positionner, pareil, un grand merci à l'électricien qui m'a vraiment fait plaisir. Il est arrivé ici pour câbler. Je vais mettre une télé, je ne vais pas en mettre trois, je ne suis pas non plus maniaque, mais je ne savais pas exactement où la mettre, comment j'allais le positionner. Donc après, soit je mettrai des caches, soit il y aura des tableaux de mer ou des miroirs. Mais donc, il m'a fait trois arrivées. Il m'a dit, te prends pas la tête, je te fais trois arrivées. Une là, une sur ce pan de mur ici. Donc, deux prises plus câblées en Ethernet, deux prises plus câblées en Ethernet. Comme ça, en fonction de la disposition, bah, je vais pouvoir le faire. Un grand merci aussi, comme les appareils de dessus, qui peuvent être hauts ou pas, ou si je voulais faire du sport. Tu vois que ça fait 2,20 ici. Donc, ils m'ont... Il y avait une poutre ici, tu le verras peut-être sur les précédentes vidéos. Et du coup, ils ont vraiment fait le déport pour gagner bah, encore un petit peu de centimètres. Donc ça, c'est vraiment cool puisqu'on a encore gagné ici, puisqu'ils auraient pu fermer droit. Je leur ai demandé de faire vraiment le max. Voilà, on a gagné encore 8 cm. Et donc ici, pour que tu aies un ordre d'idée, pareil, l'objectif, c'était 2,20. Et on est à 2,23 dans cette pièce-là. Donc, bah, c'est sûr que ça change complètement puisque ici, au tout début,
Peut-être que tu verras un passage si on arrive à te recabler ça. Ici, ma tête, elle touchait. Quand je passais, je touchais à peine. Donc, tu vois, on a gagné tout cet espace-là. Et c'est sûr que ça change complètement la vie parce que ça fait vraiment une très belle surface. En plus, le sol, il est clair. Il va vraiment bien rendre quand tu vas pouvoir éclairer avec les spots. Mais ça va être magnifique. J'attends vraiment qu'il y ait le joint parce que c'est ce qui va encore faire ressortir le produit de façon magnifique. Mais tu vois, il y a un superbe espace. Là, pour débuter, je vais m'en faire une salle de sport. Après, je ne sais pas, ça pourra être une salle de jeu pour les enfants. On pourra faire une autre chambre s'il y avait besoin, qui serait du coup immense. Mais on verra un petit peu ce qu'on fait. Pour le moment, je voulais me faire un plaisir et faire une salle de sport et avoir vraiment de la place. Donc, ça va être super. Il reste à fermer le faux plafond ici. Il reste à carreler donc cette salle de bain. Ils viennent donc vraiment de finir tout ce pan. Il y avait bien 50 mètres carrés à faire. Donc, c'est top. Ils ont vraiment fait un super boulot. Et j'ai hâte de t'emmener à l'étage 1 et dans la suite parentale tout en haut parce que ça a beaucoup avancé. Et je vais pouvoir vraiment t'expliquer tout ce qu'on a fait. Suis-moi. Allez, suis-moi, je t'emmène à l'étage numéro 1 parce que tu vas voir, ça a bien avancé. On retrouve ici les lumières au pied dans la montée d'escalier, toutes les trois marches. Donc, ça va vraiment pareil, faire une montée de lumière. Ça va vraiment donner de l'allure à l'escalier plutôt que d'avoir des appliques au mur. Ça le modernise encore la maison. Voilà, bienvenue à l'étage numéro 1 déjà ici. Je suis super content, on se rend vraiment mieux compte. Tu vas voir par rapport au sol, donc avant il y avait la cloison qui était jusque là. Et donc j'étais tout étriqué dans mon couloir où je devais choisir solution A ou solution B. Tu ne pouvais pas te croiser à deux. Là regarde, je suis content, tu peux te croiser à deux, à trois. T'es bien, t'as pas besoin de te faufiler. Donc ici on a travaillé sur un renforcement structurel pour ouvrir complètement ici. Et surprise, on ira voir après. On avait donc fait l'option que vous aviez choisi. Réellement, j'avais un doute, j'en ai pas mal parlé et je crois que vous aviez raison de privatiser l'étage. Donc, on a fermé ici en médium qu'on va peindre, on a mis une porte et je vais vous emmener ensuite dans la suite parentale. Donc ici, première chambre, on a mis la porte d'entrée. Ici, on va travailler après sur la porte d'entrée pour rester dans le style. On va travailler, on va rajouter des découpes de bois pour les peindre pour pas que ce soit un pan droit. Ici, dans la chambre, on va avoir le lit de ce côté-là. Potentiellement ici, j'ai fait des arrivées si on voulait mettre une télé au mur parce que j'ai une nounou à domicile. Donc comme ça, ça lui permet ici d'avoir une chambre. Ici, ça lui permet d'avoir une salle de bain. Donc je te montre, il va y avoir bien sûr une marche. Elle ne sera pas aussi haute que ça. Bac à douche, c'est un grand 70 ou 80 par 1 mètre, tout pile. Donc du coup, voilà, grand, un petit essai là, ici, lavabo qui va venir là. Donc ça permet de travailler, c'est déjà une salle de bain à l'époque, bien sûr. On l'a laissé, on l'a juste rendu privative parce que c'était plus sympa, je trouvais, d'être sur de la salle de bain privative plutôt que sortir ici de la chambre et y aller. Ici, première chambre d'enfant. Bon, je te montre rapidement, il n'y a pas eu spécialement de changement parce qu'il y avait, à part poncer, vitrifier le parquet à la fin, peinture, c'était bien sûr toute la partie chauffage et électricité qui avait été refaite. Deuxième chambre d'enfant, pareil. Et ici, il y a eu du changement puisque la première salle de bain est terminée. Alors, il manque bien entendu juste à rajouter bidet, les meubles, mais elle est complètement carrelée. Donc, c'est plutôt sympa. Je suis assez content du résultat. On avait choisi avec ma femme, donc sol qui est bleu, de la même couleur que globalement celui que tu vois ici, mais il a été bâché parce qu'ils vont peindre le plafond. Blanc, et on a mis 2-3 motifs, petite niche avec motif en bas. On va donc avoir, et qu'elle est déjà là, donc grande baignoire ici. Table allongée parce que j'ai deux petits bébés donc sur cette partie-là. WC, bidet et vasque ici avec colonne de rangement, fenêtre et le chauffage qui est ici. Et là, d'ailleurs, on le voit, on va venir, donc c'est le sky dome de la cuisine. Tu le vois beaucoup mieux d'ici qu'on va venir changer pour mettre en transparent. Vraiment, je suis hyper content. Les finitions, elles sont hyper bien faites sur l'intégralité. Franchement, c'est net, c'est propre, c'est précis. Tu vois rien, tu passes ta main. Heureusement, mais c'est tout au même niveau. C'est vraiment un super boulot qui a été fait. Je suis hyper content. Et puis la salle de bain, pour une salle de bain d'enfant, ça va vraiment être chouette. Égoïstement, je t'emmène dans la suite parentale qui est juste derrière. Il y a forcément eu du changement puisque déjà, tu le vois dès le début, tu te dis on a mis du médium sur mesure qu'on va venir peindre pour privatiser et pour complètement fermer. On a mis ici une porte, donc ce sera sur cette partie-là. Fermée, on ouvre. On va venir corriger légèrement les marches puisque elles n'arrivent pas pile poil au bon endroit. Et là, je te montre. Premier changement, tu le vois, on a gagné ici de la surface de plancher sur toute cette partie-là, donc je ne sais pas, un mètre carré,
quelque chose de ce type-là, mais au prix du mètre carré à Paris, ça vaut le coup de le gagner. Et c'était même pas, c'est, bien sûr, il y a une optimisation ici, mais c'est surtout pour créer encore du rangement, tu vois, je poursuis ma quête. Ici, quand je descends, donc tu vois, moi je suis 1m85, donc plutôt grand, il reste, je passe parfait, hein, ça ne touche pas non plus, donc quelqu'un de 2m ne se cognera pas non plus. On va venir bien sûr faire joli, on a fermé dans la montée de l'escalier, comme tu le vois ici, pour qu'on ait vraiment, avec ma femme, comme un mini studio, une suite parentale derrière. On a tout fermé l'escalier sur cette partie-là, on va venir peindre tout fermé là. Oh, j'ai hâte de pouvoir emménager ici bientôt, on a fait beaucoup de choses. On a remis à niveau le sol, pareil, pour pouvoir derrière mettre le revêtement parce qu'il y avait des différences de niveau. Je vais venir faire une moquette, je suis fan des hôtels et si je pouvais choisir, je vivrais dans un hôtel avec ma fille parce que j'adore ça. Et du coup, je vais faire vraiment ambiance hôtel et j'adorerais, comme les enfants ne sont pas censés monter, faire vraiment une moquette blanche ou très claire, faire vraiment un truc ultra épuré. Pourquoi pas mettre aussi donc une descente de moquette dans les escaliers, au moins sur notre partie, parce qu'après, ce sera bien entendu trop salissant. C'est encore en réflexion. Ici, on a travaillé donc sol à niveau et comme tu le vois, ici, on avait agrandi aussi une partie. On a gardé un parti importeur, mais remis une poutre pour agrandir un petit peu plus parce qu'on a biseauté un peu le mur. Mais on a travaillé énorme sur du rangement. Ça va te surprendre. Et du coup, ici, génial. Donc, du rangement, tu vois, toutes les étagères biseautées. Donc, faut l'imaginer, il faut te projeter et l'imaginer peint. Là, maintenant, c'est un petit peu plus facile quand même de se projeter. Placard ici, étagère là, placard ici pour faire dans le dressing. Placard ici. Ici, il n'a pas encore mis les charnières, je ne peux pas ouvrir, mais grand placard d'angle. Ici, pour des raisons de sécurité, hop, il a fermé. Ici, on va venir mettre une couleur. Je pense que je vais faire noir laqué sur toute cette partie, sur juste ce plan de travail, cette tablette, parce que tout le reste va être a priori clair. Ici, pareil, il m'a travaillé, c'est génial ce qu'il m'a fait. Il m'a fait toutes les petites étagères biseautées, les portes ici en bas. Là, il a fait vraiment toute une niche où on peut mettre beaucoup de rangements. Ici, porte de placard coulissante miroir, sauf sur cette partie-là où il a mis les portes, ce sera médium. Et porte de placard coulissante miroir ici. On a fait venir une petite arrivée, pareil, là en lumière. Oui, c'est ça que je voulais te dire. Ici, je regarde s'il a mis le rail ou pas. Non, il n'y est pas, mais tu vas te rendre compte. Ici, tu vois, on a fait un renfoncement. Je peux monter mes doigts. Et du coup, en fait, il va mettre le rail ici, supérieur, ce qui fait qu'en fait, la porte miroir, on ne verra pas le rail. Donc, ça va être directement miroir puisque le rail est caché sur un renfoncement. Donc, ça va être magnifique. Ça, c'est un placard à bijoux que j'avais fait à ma femme au tout début où on était ensemble. Je l'ai ramené pour qu'il puisse le repeindre. On va le mettre sur cette partie-là et on va lui faire une coiffeuse pour qu'elle puisse se maquiller dans le prolongement du placard à bijoux, tu sais, avec les miroirs un petit peu ampoule ici. Comme ça, ça va lui faire un joli coin. Ici, ce sera le lit king size, 1m80 par 2m. Autant dire qu'on ne va pas se gêner. Si je divorce, je ne me rendrai même pas compte qu'elle est dans le lit, tellement c'est grand. Donc, comme ça, sur toute cette partie-là. Et il est baldaquin. Donc, ça va être joli. C'est lit baldaquin barreau doré. Tu verras le rendu à la fin. Je l'ai commandé. Il y a un petit peu de livraison, surtout de temps de livraison, surtout dans le contexte. Mais donc, du coup, ça va vraiment être sympa. On a un énorme lit baldaquin en doré qui va sortir. La vue, elle n'a pas changé, heureusement, parce que c'était le coup de cœur. Et ici, côté salle de bain, ici, il y aura un petit bureau. Voilà, si je veux un peu travailler ou les papiers, un petit desk ordi ici. Et là, il y a la salle de bain. Ça a grave avancé aussi, comme tu vas voir. Donc, pareil, globalement, imitation marbre. C'est le modèle, c'est Rimini blanc de chez Leroy Merlin. Ça doit valoir 30 euros par mètre carré, si tu es intéressé par la référence. Il nous manque bien entendu à faire le joint. On va avoir double vasque ici, sur cette partie-là. Là, c'est en face en même temps. Donc, première vasque, deuxième vasque. Rangement ici, porte coulissante, miroir. Donc là, tu vois, énorme de rangement encore sur toute cette partie. Un radiateur ici. On va faire une petite tablette pour cacher le radiateur que derrière, même si bon, c'est un radiateur en fonte, il n'est pas moche, mais on va quand même un petit peu le masquer. Bidet, WC derrière cette paroi. Comme ça, tu vois, on est un petit peu caché quand on va aux toilettes. Douche, pareil, grande douche, hein, 80 par 1 mètre. Là, c'est trop encombré, je ne peux pas te le montrer, mais le plateau de douche, il est vraiment très, très beau. Pommeau, les arrivées, j'ai fait faire deux niches. Donc ça, c'est top aussi
Bah parce que comme ça, en fait, ce que j'aime bien, c'est sur le même principe que l'investissement locatif, tu arrives, tu poses tes affaires et tu n'es pas en train de te dire, faut que je rajoute ça. Et mine de rien, dans la douche, quand tu n'as pas de niche, bah c'est chiant. Soit tu es toujours en train de te baisser parce que tu as les shampoings, les trucs au sol, soit faut que tu rajoutes un truc dans ta douche qui prend l'eau, le calcaire, il tombe parce que les ventouses, elles ne tiennent pas et puis c'est moche. Donc du coup, si tu peux le faire, franchement, fais-le, petite niche, tu mets tous tes shampoings, c'est propre. Deuxième niche ici, on va travailler sur une, pour la douche, pour la baignoire, on va travailler sur une paroi de verre là qui sépare. Ça avait merdé ici sur la fenêtre parce qu'elle s'ouvre, comme tu le vois, à l'envers, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Du coup, on va la changer pour qu'elle s'ouvre bien entendu dans ce sens-là, ce qui explique pourquoi on n'a pas encore carrelé ce pan-là. Ici, petite trappe cachée, donc parfait parce qu'elle ne se voit pas pour tout ce qui est trappe d'accès hein, à la baignoire. Donc comme ça, hyper propre. On peut la faire carreler. C'est un petit peu plus joli potentiellement si elle est cachée, si elle est carrelée. Après, là, franchement, elle était cachée. C'est-à-dire quand tu arrives ici, il faut vraiment se baisser pour la voir. Moi, ça ne me dérange pas. C'est propre, c'est blanc. Je lui ai demandé même plutôt moi de mettre une trappe comme ça. Au moins, tu n'as pas le truc aimanté. Bon, voilà, c'est propre, c'est blanc, ça ne se voit pas. Bah voilà, c'est déjà pas mal. Spot, si on va supprimer celui-là parce que c'est un peu abusé. Bien sûr, même si je le mettais en spot étanche, bah, je suis un peu tendu quand même de me doucher sous la lumière. Donc, je vais quand même condamner celui-là. En plus, là, tu vois, on est en pleine journée. Bon, là, il y a un rayon de soleil, mais il pleuvait quand on a démarré cette vidéo. Bon, tu vois, la salle de bain, elle est ultra lumineuse. Ça, la référence, bah, tu la trouveras sur le Roi Merlin. Elle est vendue avec le carrelage Rimini. Par contre, avec les niches, ils en ont passé énorme. Et merci à l'artisan parce que franchement, il y a un billet sur ce pan de mur-là. Et ce n'était pas forcément prévu. Je pensais faire que les niches. Et en fait, quand tu regardes le coût de les petits carreaux et que tu connais le prix avec toutes les découpes et que tu te dis la valeur de ce pan de mur-là, bah, bon, j'aurais fait sinon que les niches. Mais du coup, je pense que ça va vraiment très bien rendre parce qu'il n'y a pas d'autres frises ailleurs. Donc, c'est quand même le reste est assez épuré. Donc, ça va être sympa. Et puis, tu te souviens ici, je ne sais pas si je te l'avais montré. Je l'ai montré si tu me suis sur Instagram, @michaelzonta. Et là, je vais trouver, je te le remontre ou je te le montre si tu n'avais pas vu. J'adore, je suis fan. C'est ce qui va faire la diff. Hein. C'est ce qui va faire la diff. Donc, celui-là, c'est censé être le lavabo, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, tu vois, quand il va venir finir. Bon, c'est que je ne sais pas faire et qu'il faut finir, mais ça va être tout en doré comme ça. Donc là, ça va claquer. Là, ça va claquer grave parce que tu vas avoir vraiment tout le pan ici. Donc ouais, ça va envoyer du lourd. Et donc, tu as l'intégralité, ça, le truc pour la baignoire avec le côté cascade. Donc bah ouais, franchement, je suis fan parce qu'on l'a vraiment fait en épuré, quoi. En blanc et cette partie-là, en doré, ça va ressortir et ça va être fou. Avec une fois que les joints sont faits, ouais, franchement, je pense que ça va être pas mal. On s'est fait un petit plaisir sur la salle de bain, parentale et puis on a été plus soft sur les autres salles de bain. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de l'intérieur de la rénovation de ma résidence principale. Si tu étais dans ma tête et si cette vidéo peut t'aider, si tu es en train de faire un investissement locatif ou si tu es en train aussi de rénover ta résidence principale et que tu as besoin d'idées, voilà ce que je peux te dire, ce qui m'a vraiment moi aidé et vraiment l'historique que j'ai dans l'immobilier, c'est n'hésite pas à faire pas mal de rangements parce que ça va te permettre d'avoir une surface agréable et utile beaucoup mieux. Si tu peux le faire, fais des rangements sur mesure parce que comme tu le vois ici, bah, à la fin, et tu verras, je te ferai bien sûr la vidéo finale, c'est beaucoup mieux fini, tout est optimisé et puis tu n'es pas là dans les déménagements, etc. à faire les meubles. Après, on aime ou on n'aime pas, ça n'a pas la valeur et le cachet d'un beau meuble ancien. Néanmoins, c'est très compliqué de meubler quand tout est mansardé. Donc vraiment, n'hésite pas à faire suffisamment de rangement. Moi, je dis toujours, on manque de toute manière de rangement. Donc, c'est déjà un premier conseil que je peux te donner. Et après, c'est essaye toujours de raisonner pour que ton œil aille le plus loin possible. Tu vois ici, on a complètement ouvert. Avant, c'était fermé. Ce qui faisait que là, quand tu rentres et que ton œil va loin, ça te paraît vraiment immense. En bas, quand tu rentres dans l'entrée, qu'on a enlevé, qu'on a mis des IPN, le salon, il paraît immense. Donc, ça permet vraiment de donner une autre vision à la maison en termes financiers parce que je sais que si tu suis cette chaîne, bah, tu as envie d'avoir quelques chiffres. Pareil, si tu me suis sur les réseaux, j'en ai parlé. Cette maison, je l'ai achetée 1 456 000 à frais d'agence inclus avant le notaire. C'est une opération qui fait environ
1 750 000 euros en produits finis. Sache que j'ai déjà des agents immobiliers qui m'ont contacté pour l'acheter beaucoup plus cher pour certains de leurs clients parce qu'on est sur des produits qui ont une rareté. Il y a eu des offres entre 2,8 millions et 3 millions d'euros sur cette maison. Là, c'est la résidence principale, donc je ne souhaite pas la vendre et je souhaite y rester. Mais c'est aussi ce que tu dois te souvenir, c'est que si tu rénoves quand même très bien fini, les gens vont pouvoir se projeter. Si tu fais en sorte que ça plaise au plus grand dénominateur commun, il faut que ça te plaise à toi. Mais généralement, quand c'est bien fait, ça plaît aussi quand même à la majorité de gens, au-delà du fait que les couleurs peuvent être différentes, mais sur l'aménagement, ça plaira à vraiment la majorité des gens. J'ai hâte, et moi aussi, de t'emmener dans la prochaine visite de chantier où on va pouvoir quand même se rapprocher de la fin. Donc, je vais voir si je te fais une autre vidéo avant la fin ou si ce sera directement la dernière. On attend en termes de logistique encore pas mal de matériaux à droite, à gauche, mais ça devrait arriver puisque la vie va reprendre son cours et heureusement. Et je serai très heureux de t'accueillir chez moi à la fin des travaux de rénovation. N'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification pour recevoir l'intégralité des prochaines vidéos. Si tu vois des choses, mets-moi en commentaire parce que tu m'avais grave aidé quand tu m'avais dit ici, fais-le, ouvre complètement pour que tu puisses avoir une suite parentale énorme. Si tu vois d'autres choses, c'est encore temps, il te reste 30 jours pour me donner des conseils. Après, c'est fini, je ne fais plus rien dans cette maison. Ciao.